Et coucou mes beaux artisans de paix, soyez les bienvenus mes belles âmes en ce magnifique jour, en ce jeudi 25 mars 2021. Et oui, déjà 84, ah, Soso, tu commences à cafouiller. 84e, et oui, jour de l'année, 84e. Nous sommes entrés dans la 12e semaine, mes trésors, comme vous le savez déjà. Et nous allons avoir la pleine lune déjà le 28 mars, aux alentours de 18h49, 18h50. Et en ce magnifique jour, en ce 25 mars, je souhaite un très très bon et joyeux anniversaire à tous mes petits béliers, premier décan qui est né justement un 25 mars, très très bon et joyeux anniversaire à vous, ainsi qu'un très très bon et joyeux anniversaire à Aretha Franklin, ainsi qu'à monsieur Elton John. Et oui, c'est leur anniversaire aujourd'hui, très très bon et joyeux anniversaire à toutes ces personnes. Et c'était l'anniversaire de Simone Signoret également, l'actrice. Voilà mes trésors, en ce magnifique jour, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, j'ai essayé de vous faire une vidéo lundi pour compenser dimanche où je n'ai pas pu vous faire une vidéo. Eh bien, il semblerait que vous ne l'ayez reçu que mercredi. Eh bien, tant pis, ou tant mieux, parce que je rappelle que ce sont des tirages intemporels. Donc, qu'importe le moment où vous tombez dessus, il n'y a pas de hasard. Si vous tombez dessus, c'est que vous aviez forcément un message à recevoir le jour J. En tout cas, ces énergies vont être un petit peu palpables pour nous durant toute cette semaine et jusqu'à la prochaine vidéo que je vous ferai pour les énergies lunaires. Allez, sans trop de blabla, on va essayer de voir ensemble que vous réserve cette belle journée. Encore un très très bon et joyeux anniversaire à tous mes petits, tous mes petits béliers. Et puis d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la Saint-Croix. Et bien, déjà, en ce 25, c'est l'Annonciation. L'Annonciation de la Vierge Marie, où elle a reçu l'ange Gabriel qui lui a annoncé qu'elle serait la mère du Sauveur et qu'elle enfanterait de l'Esprit-Saint. Et c'est aussi aujourd'hui la Saint-Humbert, donc qui vient du germanique « une » qui veut dire « grand » et « Bert » qui veut dire « brillant ». Et oui, les Humberts savent apporter un peu de modération et de réflexion dans leur spontanéité naturelle. Par contre, en revanche, ils sont incapables de faire face à la solitude et oui, qu'ils refusent comme ils refuseraient toute introspection. Voilà qui nous fêtons en cette magnifique journée. Et qui était justement ce Saint Hubert? J'aimerais bien en savoir un peu plus. Eh bien, on n'en saura pas plus. En ce jour, en tout cas, c'est l'Annonciation. Et encore une très 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 bonne fête à tous les Humberts. Et surtout un joyeux anniversaire à tous mes petits béliers qui est né justement un 25. Et quelles sont les énergies que nous réserve cette belle journée-ci? Eh bien, on va le savoir tout de suite, mes chéris. Étant donné que vous aimez bien le taroscope, eh bien, on ne va pas changer quelque chose qui vous plaît. Et on commence tout de suite avec nos amis béliers. Coucou mes petits béliers, j'espère que vous êtes en bonne santé. Eh bien, en ce jour, peut-être qu'une petite brouille amicale commence à s'éterniser un peu trop à vos yeux, tout simplement. Donc, il serait peut-être temps de trouver le chemin de la réconciliation, mes petits béliers. Surtout qu'avec le tandem Soleil-Jupiter, ça peut vous apporter une belle harmonie, de la gentillesse. En tout cas, tout cela sera présent pour vous permettre de souffler de belles paroles en cette journée, mes petits béliers, pour vous réconcilier. Quel est votre clin d'œil en ce jour? Eh bien, ne cédez pas à des impulsions désordonnées, s'il vous plaît. Et surtout, pensez au contraire à sauvegarder et à bien canaliser vos énergies, mes petits béliers. Et oui, les discussions de la veille vous ont peut-être soulagé ou peut-être que des idées cette nuit vous sont venues à l'esprit. Eh bien, sachez que leur suite est totalement positive, surtout si vous poursuivez votre instinct et cette route. En amour, mes petits béliers, peut-être que des réactions de votre partenaire ou de votre entourage affectif peuvent enrichir votre vision des choses. En tout cas, ne vous braquez pas et essayez de tâcher de comprendre les motivations profondes avant de les juger. Peut-être que vous allez changer de fusil votre épaule, surtout encore plus si vous êtes seul, célibataire. Au niveau vitalité, mes petits béliers, eh bien, des obligations familiales vont peut-être aujourd'hui vous laisser un peu trop submergé par les demandes de votre entourage. Donc essayez de penser à vous, mes petits béliers. Et on continue avec mes petits taureaux. J'espère que vous allez bien, mes petits taureaux. Que vous réserve cette belle journée? Eh bien, l'ambiance astrale vous soumettra à des fluctuations peut-être d'humeur, un petit peu notables. Alors il serait difficile pour vous d'adopter une certaine ligne de conduite précise, et encore plus avec votre entourage. Tantôt vous serez un peu chaleureux et prévenant, et puis de l'autre côté un peu renfermé et agressif. Bref, vos relations dans ces conditions ne seront pas forcément très faciles, ni satisfaisantes, ni aisées. Mes petits taureaux, il va falloir mettre un petit peu d'eau dans le vin. En tout cas, le seul moyen de remédier à la situation serait surtout d'essayer de vous reposer, peut-être, ou tout simplement de vous changer les idées, mes petits taureaux. Si besoin est,
Quel est votre clin d'œil en cette journée? Eh bien, essayez de discuter de vos projets, que ce soit avec vos collègues ou vos associés, plutôt que d'essayer de ruminer tout seul dans votre esprit ces idées, mes petits taureaux chéris. En tout cas, faites vos comptes aujourd'hui, si vous le pouvez, vous serez nettement mieux dans votre peau. Et encore une fois, ce sera fait. Ce qui est fait n'est plus à faire. Au niveau sentimental, peut-être que vous vous posez trop de questions ou que vous avez un besoin de stabilité qui est malheureusement en inflation et qui risque de vous empêcher de profiter pleinement des aspects positifs, en tout cas que la situation présente peut vous apporter. Eh bien, essayez de temporiser et surtout votre effervescence mentale, mes petits taureaux, en cette journée. Surveillez au niveau vitalité votre appareil digestif. Il est peut-être temps de revoir objectivement votre alimentation ou en tout cas de doser selon vos véritables besoins. Voilà le conseil que je peux vous donner. Et on continue avec mes petits Gémeaux. Coucou les Gémeaux. Comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, pas question de vous laisser balloter au gré des envies. Vous serez bien décidé à diriger votre vie comme bon vous le dit ou comme vous l'entendez en tout cas, mes chéris. En tout cas, si vous êtes sévère envers vous-même, ne le soyez pas trop envers les autres, s'il vous plaît, en cette journée. Car méfiez-vous d'une certaine tendance à l'autorité, en tout cas l'autoritarisme vis-à-vis de vous ou de votre entourage n'est pas très bon. Quel est votre clin d'œil, mes Gémeaux? Eh bien, prenez conscience surtout de vos capacités réelles et ne vous engagez pas au-delà de ce que vous pouvez réaliser, encore moins cette journée. Après tout, c'est votre foyer ou les questions liées à votre habitation qui seront essentielles aujourd'hui. Au niveau sentimental, peut-être que l'imprévu vous sera très faste. Il faut vous laisser aller et puis lâcher prise. Lâchez prise sur un programme bien prévu. Laissez-vous faire par les cadeaux que la vie vous réserve. Laissez souffler un petit peu d'intensité et d'intense satisfaction dans votre vie. Il ne peut pas vous faire de mal, encore plus avec le vent de l'aventure. Même si vous ne maîtrisez pas toute la situation, laissez-vous faire un petit peu, vous verrez que c'est cadeau. Au niveau vitalité, eh bien vous aussi, il va falloir un petit peu ajuster votre alimentation et surtout vous débarrasser de tout ce qui est superflu. En tout cas, en ce moment, pour certains d'entre vous, votre foie est fatigué. Il est temps de l'alléger et d'alléger votre organisme, mes Gémeaux. Allez, on continue avec les petits cancers, si je vais avoir le temps de faire tout le monde sur la même vidéo. Que vous réservez, mes petits cancers, cette journée pour vous? Eh bien, peut-être qu'une chance sur deux vous sera accordée par les astres de rencontrer la personne avec qui vous allez tout simplement vous entendre à merveille, mes petits cancers. Eh bien, en tout cas, satisfaction côté sentimental peut également avoir lieu probablement pour vous en cette fin de journée, voire même en fin d'après-midi. N'hésitez pas à me faire un petit retour, s'il vous plaît, en commentaire, j'aurai plaisir à vous lire. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker, et surtout à cliquer sur la petite cloche, parce que, bah, comme vous le voyez, les vidéos, elles arrivent quand elles veulent. Donc, au moins, bah, vous êtes informé par une petite notification dès qu'une vidéo est postée. Et bien, pour vous, mes petits cancers, ouvrez l'œil, en tout cas, il y a quelque chose, il y a une rencontre, encore plus en fin d'après-midi. Au niveau clin d'œil du jour, débarrassez-vous une bonne fois pour toutes, peut-être d'un problème passé qui vous traîne ou que vous traînez encore comme un boulet. Je ne sais pas, il y a quelque chose que vous traînez, que vous devez solder. En tout cas, cette journée s'annonce favorablement pour ça. Et surtout que vous avez de fortes et riches émotions en perspective qui s'annoncent aujourd'hui, mes petits cancers. Alors ne vous laissez pas envahir par autant de choses qui ne vous servent à rien et encore moins par des boulets. Au niveau sentimental, eh bien, votre idéalisme, ce soit là du mal aujourd'hui, et bien surtout dans le domaine affectif, risque de se heurter. Peut-être à un partenaire qui n'est pas du même goût que vous. En tout cas, vous allez savoir mettre les formes pour arriver à vous faire comprendre sans rien abîmer entre vous. Parfait, et vous allez tout faire pour éviter les polémiques. Au niveau vitalité, mes petits cancers, et bien vous êtes positivement poussé à cloisonner davantage votre vie privée et votre vie extérieure, et ça c'est pas mal. En tout cas, ça va vous permettre une meilleure récupération nerveuse. Et ça, c'est pas négligeable, mes petits cancers. Et on continue avec mes amis lions. Coucou, mes petits lions. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes en bonne santé, vous aussi. Eh bien, aujourd'hui, vous qui vouez un culte à l'amitié, réjouissez-vous. Car c'est une majorité de belles planètes qui va justement influencer ce secteur pour vous en cette journée, mes petits lions. Voilà, en tout cas, qui vous promet de la joie, de l'animation, peut-être même des invitations. En tout cas, de belles surprises entre amis en perspective pour vous aujourd'hui. Et quel est votre clin d'œil de ce jour, mes petits lions? Eh bien, la persévérance est certes une belle qualité, mais elle est inutile, surtout de s'obstiner sur des choses qui n'en valent pas la peine. Voilà quel est votre clin d'œil en ce jour, mes petits lions. En tout cas, vous allez savoir manier les mots avec justesse et élégance, beaucoup plus de diplomatie, mais directe à la fois. Sachez que vous allez faire mouche au niveau communication aujourd'hui. Et au niveau sentimental, eh bien, les concessions que vous êtes susceptibles de réaliser aux yeux de votre partenaire seront récompensées.
Sachez qu'il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Suivez juste votre intuition, votre cœur. Et surtout, laissez votre cœur s'exprimer avant la raison. Voilà le conseil sentimental que je peux vous donner, mes petits lions. Et au niveau vitalité, eh bien, peut-être une sérénité reposante va se manifester en vous. Et ça va vous permettre de recharger un petit peu vos batteries. En tout cas, vous en avez bien besoin, encore plus aujourd'hui. Alors, autorisez-vous, mes petits lions chéris. Allez, on continue avec mes amis vierges. Coucou les vierges. Et comment ça va? J'espère que vous êtes en bonne santé, vous aussi. Ah, mon téléphone, j'espère qu'il ne va pas couper. J'ai presque plus de batterie. Oh, c'est horrible quand ça fait ça. Bon, allez, on continue. Et puis, tant pis si ça coupe, je vous reprends dans une autre vidéo. Eh bien, mes petits vierges, quelles sont vos énergies aujourd'hui? Eh bien, votre personnalité aura peut-être tendance à s'épanouir avec ce beau soleil. En tout cas, vous serez moins secret, moins enfermé que d'ordinaire. Et ça vous va bien. Vous allez d'ailleurs rechercher davantage la compagnie des autres. Et pourquoi pas, ce serait le moment de bien choisir ou de revoir d'anciens amis que vous aviez un petit peu négligés. Qui sait? En tout cas, vous en aurez l'occasion. Et surtout, vous aurez l'occasion ainsi d'évoquer de bons souvenirs. Et votre morale n'en sera que meilleure, mes petits vierges. Et quel est votre conseil en ce jour? Eh bien, si vous êtes confronté à un petit problème qui vous semble insoluble, sortir peut-être temporairement de vos habitudes, ou des habitudes que vous vous êtes ancrées, et la solution, tout simplement, vous allez trouver. En tout cas, vous aurez l'occasion de tirer de justes conclusions sur des événements passés, et savoir aujourd'hui en tirer les bonnes leçons qui plus est. Au niveau sentimental, mes amis vierges, eh bien, il y a peut-être des vents contraires dans votre ciel ou dans le ciel de vos amours. En tout cas, évitez d'instaurer des rapports de force, ça vous mènera nulle part. Même sans vous en rendre compte, vous aurez tendance à le faire. Et vous avez des doutes qui ne sont pas du tout fondés. Alors s'il vous plaît, restez calme au niveau sentimental, mes petits vierges, en cette journée. Au niveau vitalité, c'est en persévérant peut-être, avec des petits moments de solitude, d'intimité, que vous allez pouvoir éviter de disperser votre énergie. En tout cas, vous allez savoir éviter trop d'agitation autour de vous aujourd'hui, mes petits amis vierges. Et on continue avec mes amis balance. Coucou mes amis balance, comment allez-vous en ce jour? Que vous réserve aujourd'hui les énergies? Eh bien vous, on vous conseille de ne pas négliger la vie amicale. Allez voir vos copains, vos copines, ou peut-être de nouvelles relations vont vous faire sortir de votre cercle habituel, qui sait? En tout cas, vous aurez l'occasion de fréquenter des milieux tout à fait inconnus à vous. Et ça va vous ouvrir en plus des horizons insoupçonnés. Alors n'hésitez pas, mes petits balances, s'il vous plaît, en cette journée. Et quel est votre clin d'œil en ce jour? Eh bien, n'adoptez pas une attitude intransigeante à l'égard des autres. Soyez plus cool. Hein, mes petits balances, soyez plus cool. Restez dans l'équilibre. En tout cas, si vous parvenez à dominer votre impatience en cette journée, tout ira bien. Et n'imposez surtout pas votre volonté à n'importe quel prix. Voilà le conseil que je peux vous donner en plus aujourd'hui. Et au niveau sentimental, eh bien, le rythme de vos amours tend à davantage de calme et d'indolence. Alors peut-être que ça va vous permettre de vous recentrer sur vous-même et de vous pencher sur vos propres projets, qui sait. En tout cas, ça vous permet de faire le point sur des détails pratiques. Et peut-être que vous avez besoin de faire le ménage de printemps. Vous me ferez un retour, mes petits balances. En tout cas, au niveau vitalité, c'est la grande forme. Et vous serez d'attaque pour affronter tout ce qui doit l'être, en tout cas. Vous êtes dans votre élément. Voilà mes petits chéris. Et on continue avec mes scorpions. Coucou les scorpions. J'espère que vous êtes en bonne santé vous aussi. Ben, que vous réserve cette journée-ci? Eh bien mes amis, pour bien occuper vos loisirs, évitez l'ennui. Adonnez-vous à des activités qui laissent toujours quelque chose à apprendre, à découvrir encore et encore. En tout cas, ça vous plaît mes scorpions. Et c'est parfaitement compréhensible car en toute chose, on est plus ardent à la poursuite qu'à la jouissance. Je répète. En toute chose, on est plus ardent à la poursuite qu'à la jouissance. En tout cas, c'est ce que disait William Shakespeare. Alors, fuyez tout ce qui est facilité et ça ne vous ressemble pas, mes petits scorpions, qui plus est. Aujourd'hui, votre clin d'œil en ce jour, eh bien, l'idéal, c'est bien. Mais le terre-à-terre, ça compte pas mal aussi, mes petits scorpions, ne l'oubliez pas. Ne touchez pas toujours la perfection. En tout cas, le poids des soucis amorce peut-être une descente agréable. Vous avez bien fait de vous montrer entêté. Aujourd'hui, vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts, mes chers petits scorpions. Au niveau sentimental, vous allez baigner dans un climat de douceur et de tendresse. Et ceci va vous permettre de comprendre et surtout de prendre du recul d'une façon assez passive et très constructive, en tout cas pour vous, qui peut se révéler. Après tout, donnez un petit peu votre confiance en votre partenaire et vous verrez que vous serez récompensé. Au niveau vitalité, mes petits scorpions, malgré vos besoins impérieux d'action,
Votre corps réclame son quota de repos. Alors il serait bon d'en tenir compte pour mieux repartir. Il faut lever le pied. Et je le sais, j'ai intérêt à me faire une siesta cet après-midi, sinon je vais être KO. Allez, mes petits sagittaires, en continuant avec vous. Que vous réservent ces belles énergies aujourd'hui? Eh bien, cette phase de lune vous rendra un peu plus émotif que d'habitude pour certains, peut-être avec des penchants artistiques ou d'autres avec des penchants mystiques. On ferait un retour, mes sagittaires, en commentaire. En tout cas, laissez-vous aller à vos tendances, écoutez vos instincts, faites comme bon vous plaira. Du moment que c'est sans danger, prenez le temps de vivre et faites-vous plaisir. Pour certains, il y aura même un pouvoir de prémonition ou de rêve prémonitoire. Alors n'hésitez pas à mettre un papier, un stylo à côté de la table de nuit. Ça serait une bonne idée, mes petits sagittaires. Quel est votre clin d'œil? Eh bien, vous allez vous montrer d'une parfaite correction avec vos interlocuteurs aujourd'hui. Et ça va vous ouvrir plein de portes, mes chéris. Même si votre enthousiasme passe des fois par de l'arrogance, en tout cas, vous allez attirer des soutiens positifs. Alors, laissez venir ce qui vient à vous aujourd'hui, cadeau. Au niveau sentimental, eh bien, captivé peut-être par votre partenaire, ça sera plus facile pour vous. En tout cas, vous serez plus convaincant que jamais. Et vous allez pouvoir installer des conditions indispensables pour avoir une belle pérennité dans votre relation. Et peut-être que pour certains d'entre vous, une belle rencontre se fait aussi. On ferait un retour. En tout cas, vous avez un magnétisme ardent aujourd'hui et tous les feux sont au vert. Au niveau santé, eh bien, une petite baisse d'énergie se fait sentir. Alors, vous allez vous aussi faire comme les scorpions, lever un petit peu le pied et surtout avoir un besoin véritable de décontraction, carrément. Vous décontractez, mon petit sagittaire. Eh oui, comme les scorpions, il faut lever le pied. Et on continue avec les capricornes avant que cette guidance ne coupe. Que vous réservent mes petits capricornes, les énergies? Eh bien, l'un de vos meilleurs amis risque de vous décevoir aujourd'hui. Ne lui en voulez pas, s'il vous plaît, ne le jugez pas trop vite. Donnez-lui au moins une chance de s'expliquer. Et si vous appreniez plus tard qu'il s'agissait d'un malentendu, après tout, vous risquez de ne jamais vous le pardonner. Donc, faites donc preuve de fair play. Voilà le conseil que je peux vous donner. Et même si votre ami est fautif, ben, soyez prêt à passer l'éponge pour ne pas perdre une bonne relation. Après tout, comme disait Monsieur de La Fontaine, chez les amis, tout s'excuse et tout passe. Je répète, chez les amis, tout s'excuse et tout passe. Et quel est votre clin d'œil, mes Capricornes? Eh bien, laissez-vous vivre agréablement et songez aux joies de la vie de famille. Voilà le conseil que je peux vous donner aujourd'hui. En tout cas, ça va pas être aussi vite que les choses, pardon, ne vont pas aller aussi vite, peut-être que vous le souhaitez. Peut-être que votre impatience est en cause. En tout cas, on vous demande de modérer vos ardeurs aujourd'hui. Soyez zen. En amour, vous allez peut-être traverser des moments fantastiques, surtout si vous vous donnez la peine avec votre partenaire. L'accent est mis sur la passion aujourd'hui. Alors prenez le temps de vivre. C'est le moment de vous montrer tel que vous êtes, sans fausse pudeur ni fierté déplacée. Laissez-vous un petit peu aller. Au niveau vitalité, eh bien, besoin d'évasion, aussi bien mentale que physique, va vous pousser peut-être à vous tourner vers des choses nouvelles, peut-être même vers l'art, en tout cas tout ce qui convient à votre sens esthétique. Ça serait idéal, mes petits Capricornes. Voilà le conseil que je vous donne. Et puis, je ne suis pas sûre qu'on va avoir le temps de finir tout le monde. Alors, mes petits Verseaux, si on est coupé, je vous reprends tout de suite sur une autre vidéo avec les poissons. Coucou, mes petits Verseaux. Eh bien, j'ai trop peur que ça coupe. Donc, je vais vous faire un gros bisou, mes petits Verseaux. Et je vous retrouve tout de suite sur une autre vidéo derrière. En tout cas, merci pour ceux qui ont suivi cette guidance. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et je vous retrouve tout de suite, mes petits Verseaux et mes petits poissons, avec un petit bonus en plus. Bisous, à tout de suite. Soyez bénis. Merci, mes amis. Merci, gratitude infinie.